Hello à vous, ici Fred Laolès et on se retrouve pour un nouvel épisode de Fallout 76 Adventure. Et c'est parti, on est avec Marsha et je fais quelques modifications. Je ne sais pas si on peut zoomer. Oh, en tout cas, on va pouvoir les voir, vous allez voir. On peut changer d'apparence quand on veut dans le jeu. Il suffit de d'appuyer sur Start, hein, pause, comme si on voulait quitter le jeu, d'aller dans le menu comme si on voulait quitter le jeu et de mettre changer d'apparence. Tout simplement. Et là, on va avoir un zoom sur Marsha. Je lui ai mis deux tatouages, l'aigle dans le cou et l'encre sur le front. Et je lui ai mis une cicatrice, vous voyez, sur l'œil gauche et au-dessus de la lèvre. Parce que, ben voilà, hein, ça fait un petit moment qu'elle se bat, notre Marsha. Et tu peux pas te battre sans en ressortir avec certaines conséquences. Mon ami, surtout dans les terres désolées, où les soins et les hôpitaux... ne sont pas très présents et où souvent on se soigne comme on le peut, à grand coup de steampack. Très bien. J'ai découvert la gare de Charleston où j'ai fait un achat de cuisinière pour le camp, d'ailleurs, et j'ai plus de thunes. Hein. Donc voilà. Pourquoi je vous prends là et pas à la pharmacie? Parce qu'on y arrive et on va y aller ensemble à cette pharmacie, hein. Je suppose que c'est la pharmacie. Ça s'appelle la pharmacie, non? C'est pas pharma, là? On va aller voir. On va aller voir, les amis. De toute façon, c'est la suite de notre quête. Et on va aller y voir, les amis. Il pleut. Il fait un temps dégueulasse. Évacuation immédiate de l'église des premiers amis de Charleston, requis suite à une infestation de vermine. En creusant dans le coin, on trouve du matériel que du personnel bien équipé, bien entraîné pourrait récupérer. Les civils devraient se tenir à l'écart pendant que les cloches retentissent. Mais non, on ne va pas le faire. On va le laisser là à côté, on va pas le... Ça se... Non, ça se vire pas. C'est chiant, ça. Alors, attendez. Hop, donner. C'est une quotidienne. Non, c'est un événement. Oui. Non, pourtant, ça me le note pas, là. Ou c'est une secondaire. Non. Ouais, c'est ça. Trouver l'église... Hop, alors attendez, il y a un truc plus facile à faire, c'est d'aller sur la carte et de dire arrêtez de suivre la mission. Mais voilà, explorer le QG. Ah, attendez. Là j'arrive à ma mission, si je me fais attaquer, évidemment on sortira de notre menu pause, il est où ce truc? Bon, c'est pas bien grave, on est là, on fait notre mission, on s'en fout. C'est ce que je regrette un peu, hein, comme... J'ai entendu vla. Cartouche 308. Il y avait un établi d'armes dans la gare. Oh, je voulais vous le montrer, ça. Du coup, j'ai renommé mes armes. Si vous allez... Donc, on peut renommer les armes. Hein. Hop, ah oui. Explorer. Hop, j'aurais pu l'enlever comme ça. C'est moi qui ai oublié de l'enlever, celui-là. J'ai oublié. C'est la principale qu'on suit. Regardez, j'ai le Marsha 308... Le Marsha 38 et le Marsha 45. Donc, j'ai renommé au type de balle que ça tire, hein, tout simplement. Il y a juste le Somerset que j'ai gardé comme ça. Spécialité de Somerset qui tire du 44. Ça, on le sait. En tout cas, voilà. C'est parti, les amis. On rentre dans l'hosto et ça va... Ça va chier. Hop là.
un petit coup de café pour le Fred. Je tourne le matin, c'est 10h. Tranquillou, je me suis levé à 9, j'ai déjeuné, j'ai mon petit café, tranquille. Hop, je pouvais pas bouger, hein, c'est pour ça que j'ai mis du temps. De toute façon, il va falloir ouvrir les hostilités. On va rester un petit peu en retrait. On va rester un petit peu en retrait pour éliminer le plus gros des troupes. On va se la jouer prudence. On va se la jouer prudence, les amis. Aïe! Hop, 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 je t'ai vu au dernier moment, toi, mon ami. Alors là, il y a du populo, les amis, il y a du populo. Il y avait vachement du monde. Quand les bombes sont tombées. Aïe! Ils ont tous été transformés en calcinés. J'en ai profité pour réparer mon 45, hein, bien sûr. Et ils sont malins parce qu'ils se planquent. Ah, ah. Ils sont malins. J'aimerais bien passer de l'autre côté, là. Alors, j'ai pas le temps de tout fouiller, les amis. Voilà. Pas le temps de tout fouiller les morts, hein, je veux dire. Il me faut du cuivre pour réparer des armes et éventuellement pour réparer des armures qui tirent. Putain. Ah, t'es là, toi. On va... EP et on ne pourra pas mettre notre point de compétence. Parce que là, c'est en temps réel. Hein, ne l'oublions pas, les amis. Je t'ai vu. Oh, 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 oh. Mais... Oh, le bel liqueux. Oh, le bel liqueux. Mais meurs. Meurs, s'il te plaît. S'il te plaît. Fais pas ton chieur et tu meurs. Vous voyez, ça visait à la tête. J'ai rien touché. Je sais pas si je vais pas l'enlever, ça le fait. Ah, on a du populo, les amis. Du populo. Donc voilà, j'ai rajouté des tatous à notre petite Marsha. J'ai rajouté des... Allons. Ce qu'ils appellent des imperfections. Enfin, ce que c'est des imperfections, hein, des blessures de guerre. Parce que voilà, c'est quoi ça ? Pâté pour chien. Je suis végétarienne. Ah oui, c'est une fille. Je ne vais pas dire je suis végétarien. Marsha est une fille. Les bombes sucrées, hein, parce que j'ai beau végétarienner. Recette, steak, poivre et tic. Ça, je les prends parce que bah pour apprendre les recettes, déjà, s'il y a un succès ou un truc à avoir au bout de certaines recettes, vous voyez, je veux pas non plus me niquer les succès parce que je joue végétarienne. Donc,
d'apprendre les recettes, de connaître les recettes, c'est pas forcément. Donc c'est d'en bas. On va tenter d'y aller. On va monter un peu. Attendez, on va visiter. D'apprendre les recettes. C'est pas les mettre en pratique, les amis. Si je me mets ici. Vous allez voir qu'ils vont venir. Voilà, j'ai mis de l'ordre aussi dans mes notes. Aussi, accessoirement. Hop, ouais. On va avoir la blagounette. Donc là, j'ai les aptitudes. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a des contrôles dans les laveries du RSS? Pour ne pas mélanger torchon et soviète. Oh non. Tuez-moi. Alors, voyons voir. Perception. Ah forcément, là, à 3, donc on vise beaucoup moins bien. Donc, un peu de perception ne nous fera pas de mal. Tir groupé, stock 1. Fine gâchette. Ouais, on veut du fine gâchette. Tous les pistolets disposent. Ouais. Oh, attendez, fusilier, tir au pigeon. Non, ça, c'est les fusils. Fine gâchette. Ça aussi, ça sera intéressant plus tard. Voilà. Parfait. Et donc, on en a un en charisme, non. 4 perceptions. Tir groupé. Donc, on va mettre fine gâchette. Ah, on pourrait mettre un point aussi. Ah, le boucher, oui, parce qu'on ne veut pas le boucher. On ne veut pas la viande. La viande, les amis, on ne la veut pas. Parfait. Là, intelligence, il nous manque un point. Et c'est quoi ça, le coup? Non, merde. Hop. Et là, on pourrait rang supérieur. Voilà. Et donc mettre les deux points. Ça veut dire que le coup de la fortune, les armes de fortune s'épuisent beaucoup plus lentement et coûtent moins cher à réparer. Et ça, c'est assez cool. Pour quelqu'un qui joue pistolet comme moi et surtout arme de fortune, avec mon autre compte, Leila, donc avec qui je teste Pistolero pour éviter, je dis bien éviter, hein, je vais sûrement en faire des erreurs quand même, mais éviter de faire des erreurs avec Marsha, je l'ai le coup de la fortune et ça. C'est un bonheur quand elle est poussée au maximum, quand le coup de la fortune est poussé au maximum, c'est tout simplement nickel, quoi. L'arme s'use pratiquement pas. Est-ce que j'aurai de la chance? Non. Là, il n'y a rien, mais vous voyez, j'ai l'aptitude pour fouiller. Elle est à 1, l'aptitude pour fouiller, mais quelquefois, eh ben, ça peut... Ça peut être vraiment pas mal. Jingle, on va le prendre. Alors, plateau chirurgical, ça, c'est de l'alu. Toi, je t'ai vu. Tout tué, oui, tout tué, tout. Mais tout tué, mon ami. Voilà. Il n'y a pas de souci. Tu veux tout tuer, on tue tout. Voilà, Radaway, j'appuie sur triangle. Ça me fait une recherche supplémentaire. C'est qu'à 10%, c'est pas beaucoup, mais quelquefois, quand on est chanceux, je peux vous dire qu'avec Leila, j'ai accumulé pas mal de Steam Pack grâce à cette... C'est dans Lucky, hein, la chance. Il faudrait que je boive. Ça serait pas mal. Hop. Voilà, pour le moment, on va se contenter juste de boire. Je sais qu'on a un petit peu faim, mais ça, on le fera quand on sera un peu plus safe. Les amis, on va tenter d'aller chercher. On va passer par le trou, tout simplement. Hein. Hop!
Je sais où c'est, hein, donc... je l'ai déjà fait. En Emma 0. Je l'ai déjà fait, les amis. Pas de panique. Même si vous ne paniquez pas. Dieu, je panique pas. On a foutu, moi, de ton... Oh, oh. Alors, attendez. Je sais que par là, il y a un passage. Là. Voilà. Paf. Tout simplement. Tout simplement. Cartouche 44. C'est pour moi, épingle à cheveux. Oui. Biscuit Fanzilad. Ouais. Simple action. Fais voir, il m'annonce un plus. Ah, 46. Il est mieux que mon Somerset. Somerset enflamme, les amis. Ou donne une chance d'enflammer. Attendez. On entend du bruit. On va vite regarder, vite fait. Revolver simple action, 46. Sachant que le Somerset... Spécialité Somerset... non, 55. Pourquoi ça me dit 46? Ah mais oui, mais 46 par rapport à ce que je tiens moi, là. Oh là là, les amis. Désolé, désolé, désolé. 46, on le recyclera de toute façon. Ça peut pas faire de mal. Ça peut pas faire de mal. Utilisé. Très bien. Aperçu du projet, vous mettrez sur pause, vous lirez si vous êtes intéressé par la lecture. Journal du projet, je vous le mets. Vous lirez si on est dérangé par des invités... qui se plaignent d'avoir eu une chaleur beaucoup trop élevée et de ne plus ressembler à rien. On fera en sorte. Entre parenthèses, en passant sur les dégâts, quand j'ai mis les cicatrices, j'ai vu une brûlure sur la joue qui était pas mal. Et quand on fera une mission... pour les pompiers, je ne me rappelle plus leur nom. Pour les pompiers, je ne me rappelle plus leur nom. J'en suis désolé. Je pense que je la mettrai. Très bien, les amis. 17. De toute façon, nous, on va pas tarder à se quitter là. Donc, je vais rester... hop là. Voilà. Regardez. Hop. Revolver à simple action. Donc, on le recycle. En le recyclant, ce revolver-là... En le recyclant, ce revolver-là, j'apprends aussi des trucs, si là... Non, j'avais rien à apprendre, là. Spécialité Somerset. Je ne peux pas le recycler, tout simplement parce que c'est une arme légendaire. Donc, je peux pas le recycler. Le bric-à-brac, tout recyclé. Là, on se pose pas la question. On recycle tout. Si on crève, eh ben, on perdra tout le bric-à-brac. Crayon. Main d'écorcheur, liquide de coupe. Pourquoi pas. On va fouiller ici. De toute façon, 18. Je pense que je vais pas tarder à vous laisser là. Je fais un petit peu assiette en place. Tu comprends des trucs comme ça? Pourquoi pas? Why not? Why not? Why not? On va regarder ce qu'on peut fabriquer, les amis. Si on peut fabriquer des trucs en... Alors, attendez. Recycler nain, examiner, recycler... Oui, recycler la main d'écorcheur. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Fabriquer, on va regarder ce qu'on peut fabriquer tant qu'on est là. Drogue, on peut rien fabriquer. Si, guérison, steampack dilué, ouais, mais je préfère les steampacks. Pour un canon. On peut faire de l'eau bouillie. Voilà. Hop là, c'est parfait. Et on va se laisser là, ça fera un petit épisode de 19. 20 minutes, regardez, là, je suis à 57, le temps de vous dire au revoir.
Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et j'interagirai toujours avec délice, volupté et dissidence avec vous. Mais pour l'heure, il ne me reste plus qu'à vous dire bisous aux filles, amitié aux gars et à très très bientôt. Bye bye.